Bonjour tout le monde, bienvenue à ce cours d'économie monétaire. Aujourd'hui, je vais vous parler, enfin, on va continuer un petit peu notre réflexion sur les théories monétaires. Samedi dernier, on a commencé à parler de la théorie de la neutralité monétaire. Donc, on a dit que le débat autour de la monnaie, le débat théorique autour de la monnaie, en fait, c'est un débat entre ceux qui disent que la monnaie n'est rien d'autre qu'un facilitateur de l'échange, c'est-à-dire la monnaie, elle est neutre, en ce sens qu'elle n'a pas d'impact sur l'économie réelle, c'est-à-dire elle n'a pas d'impact sur la production, sur la consommation, l'emploi. Ça, c'est une théorie qui est défendue par des économistes libéraux, notamment les économistes classiques et donc néoclassiques. Et puis après, il y a ceux qui disent que la monnaie, elle peut jouer un rôle actif dans l'économie, en ce sens qu'elle peut influencer, sous certaines conditions, bien entendu, le niveau de l'activité économique et donc le niveau de l'emploi. Alors, parmi les représentants de la théorie de la neutralité monétaire, on a dit il y a Irving Fisher, donc cet économiste américain qui est connu par cette théorie dite quantitative de la monnaie, c'est-à-dire une théorie qui établit un lien entre la masse monétaire M, V, comme on a expliqué, la vitesse de circulation de la monnaie, c'est-à-dire le rythme des dépenses, soit quel rythme circule la monnaie. Le taux doit être égal à la valeur nominale de la production, et la valeur nominale, c'est le prix courant, le prix observé sur le marché, multiplié par la quantité de production, c'est-à-dire les biens et les services qui font l'objet d'une production, qui font l'objet de transactions sur le marché. Et on a dit à ce propos que si on suppose que V et Q sont constantes, donc ça c'est l'hypothèse de base de la théorie de Fisher, eh bien dans ce cas-là, chaque fois que la masse monétaire augmente, en principe ce qui va augmenter c'est la valeur nominale de la production, c'est-à-dire que P augmente et par voie de conséquence P fois Q vont augmenter. Alors, en quoi cette théorie, justement, de la neutralité monétaire montre que la monnaie ne joue rien d'autre qu'un moyen de l'échange? C'est que, tout simplement, si les prix augmentent et la valeur de la production augmente, la valeur nominale de la production augmente, ben, il faudrait, bien entendu, créer plus de monnaie, donc augmenter M, en prenant en considération le rythme des dépenses, c'est-à-dire V. Et plus la production nominale augmente et plus on aura besoin de monnaie pour la faire circuler, bien sûr, ou pour faire accompagner les transactions. Alors, on a dit que la théorie de Fisher, en fait, elle ne peut avoir un pouvoir explicatif que sous certaines conditions, c'est-à-dire que V et Q sont constants. V, bien entendu, si V n'est pas constante, eh bien dans ce cas-là, l'augmentation de M ne va pas forcément se traduire ou avoir un impact sur le niveau des prix. Hein. Je ne sais pas si, par exemple, la vitesse de circulation de la monnaie, elle est faible. Donc, cela veut dire tout simplement que tout ce que vous créez en monnaie, toute la masse monétaire créée, eh bien, elle va faire l'objet d'une circulation. Et donc, dans ce cas-là, on aura toujours besoin de créer plus de monnaie pour accompagner l'activité, pour faire circuler cette production nominale, c'est-à-dire P fois Q. Par contre, si la vitesse de circulation de la monnaie est élevée, cela veut dire que les agents économiques, ils ont une nette préférence pour la liquidité. Et dans ce cas, vous pouvez augmenter M, mais M ne va pas forcément circuler. Pourquoi? Parce que les gens, ils vont peut-être mettre de l'argent de côté, notamment ils vont thésauriser. Alors, deuxième hypothèse, c'est que Q est constant. Ça veut dire que l'équation de Fisher, elle part du principe que l'économie, elle est en plein emploi des facteurs de production. Autrement dit, Q ne peut pas augmenter. Pourquoi? Parce que le pays utilise toutes les ressources à sa disposition, c'est-à-dire il utilise tout le travail, tout le capital. En fait, tous les facteurs de production sont pleinement utilisés et donc finalement, on ne peut pas augmenter Q, sauf si, bien sûr, il y a des efforts en matière de productivité, c'est-à-dire il y a une recherche d'efficience
par les entreprises. Et dans ce cas-là, la quantité de production augmente, mais on ne peut pas avoir une augmentation quantitative, si vous voulez, donc de Q, tout simplement parce qu'il n'y a pas, dans l'économie imaginée par Erwin Kvischer, les facteurs de production sont utilisés, donc il serait impossible d'augmenter la production, tout simplement parce qu'on n'a pas les facteurs nécessaires pour l'augmenter. Ça, c'est la première chose. La deuxième, toujours théorie, si vous voulez, explicative de ce rôle neutre de la monnaie, c'est ce qu'on appelle dans le jargon la théorie ou bien l'équation de Cambridge. Alors, l'équation de Cambridge, en fait, c'est tout simplement une théorie de la demande de monnaie. D'accord? Fischer, c'était. Donc, Fischer, il a essayé de faire un lien entre l'offre de monnaie, c'est-à-dire M, qui vient du système bancaire influencé justement par la banque centrale, et l'équation de Cambridge, en fait, c'est une équation de la demande de monnaie, c'est MD, donc la monnaie demandée. Donc là, il se place du côté, bien sûr, des agents économiques demandeurs, notamment les ménages, les entreprises. Et l'équation de Cambridge, elle nous dit la chose suivante, elle nous dit que la demande de monnaie, elle dépend, pardon, du niveau général des prix également. C'est-à-dire que en posant l'équation MD égale à petit k, c'est pas le multiplicateur en fait, petit k c'est donc l'inverse de la vitesse de circulation de la monnaie, c'est-à-dire k c'est 1 sur v, donc v donc la vitesse de circulation de la monnaie dans l'équation de Fischer. Et dans ce cas-là, donc, d'après cette équation, si le niveau général des prix augmente, c'est-à-dire que donc la valeur nominale de la production, c'est-à-dire P fois Q, va augmenter, et dans ce cas-là, les agents économiques ils vont demander plus de monnaie pour faire des transactions. C'est-à-dire que les agents économiques seront demandeurs de plus de crédit, par exemple. Donc, ils vont emprunter auprès du système bancaire, les ménages, les entreprises empruntent auprès du système bancaire de manière à ce qu'ils puissent avoir suffisamment d'avoir monétaire pour faire des transactions. C'est-à-dire que le motif, c'est un motif d'échange. Et donc, finalement, la théorie ou l'équation de Cambridge ne dit pas grand-chose de plus par rapport à Fischer. Fischer, c'est juste une fonction qui lie l'offre de monnaie aux transactions, donc à la valeur nominale de la production. Et l'équation de Cambridge, en fait, elle va juste lier la demande de monnaie, d'accord, à la valeur nominale de la production. C'est-à-dire, si la valeur nominale de la production augmente, les gens, ils ont tout simplement besoin de plus de monnaie, ils vont demander plus de monnaie pour faire des transactions. Alors ça, c'est pour les deux théories de la neutralité monétaire. Ça veut dire des théories tout simplement qui nous disent que la monnaie, elle ne peut servir qu'un rôle de facilitateur de l'échange. Et donc, le seul motif pour lequel les agents économiques vont demander de la monnaie, c'est un motif de transaction. Alors maintenant, par rapport à la théorie dite active de la monnaie, eh bien, on a la chose suivante. Alors, on a la théorie keynésienne. En fait, la théorie keynésienne, elle donne à la monnaie un statut différent. Donc, la monnaie n'est plus considérée comme un facilitateur de l'échange, mais la monnaie, est un facteur qui peut soit lutter contre des déséquilibres, donc macroéconomique, par exemple le chômage, soit la monnaie, elle peut tout simplement comment dirais-je, être un facteur déséquilibrant, c'est-à-dire un facteur qui peut créer un certain nombre de déséquilibres si jamais il n'y a pas assez comment dirais-je, d'avoir ou de quantité de monnaie qui circule dans l'économie. Alors,
Donc, le principal apport de cette théorie, donc la théorie keynésienne, et puis qui a été reprise par d'autres auteurs par la suite, c'est que ils vont d'abord remettre en question ce statut de la monnaie comme étant un actif neutre. Comment, justement, Keynes, par exemple, il a remis en question ce statut de la neutralité monétaire. D'abord, la première, si vous voulez, avancée, ou donc la première idée, c'est qu'il part du principe que le public, il a une préférence pour la liquidité. D'accord? C'est-à-dire que quand on parle justement de préférence du public pour la liquidité, on a en fait trois motifs qui poussent les agents économiques, qui expliquent la préférence du public pour la liquidité. D'abord, les gens demandent de la monnaie pour faire des échanges, donc ce qu'on appelle le motif de transaction. D'accord? Donc, on va demander de la monnaie pour acheter des choses, pour consommer, pour investir, etc. Il y a le deuxième motif, c'est le motif de précaution, c'est-à-dire que les agents économiques, ils vont demander des avoirs monétaires pour se prémunir donc des aléas de la vie, donc les risques en général. Donc il ne faut pas oublier que c'est une théorie qui a été développée par Keynes dans le milieu des années 30, donc du siècle dernier. Et donc cette période-là a été marquée par une crise profonde. Donc en fait, le monde vivait encore les conséquences de la grande crise de 1929. Et à cette époque-là, aucun pays au monde n'avait encore développé un système de protection sociale. Par exemple, il n'y avait pas de système ou de régime de protection contre le chômage, donc ce qu'on appelle aujourd'hui le régime de tout simplement d'allocation chômage. Il n'y avait pas un régime de protection ou d'allocation de retraite. Donc, il n'y avait pas encore de retraite à l'époque. Donc, les gens, ils devaient travailler en tout cas jusqu'à la fin de leur jour, ou bien s'ils veulent se retirer avant du monde professionnel, et eh bien pendant leur période d'activité, ils doivent mettre de l'argent justement pour se prémunir contre ces risques, ou contre cette, je sais pas, c'est une fatalité, la vieillesse, je sais pas si c'est un risque. Justement, ce motif de précaution, c'est tout simplement les gens, ils vont demander de la monnaie, ils vont garder des avoirs monétaires pour faire face à ces aléas de la vie. Et donc, vous tombez malade, au moins il faut avoir un peu d'argent pour vous faire soigner. Vous tombez au chômage, ben, il faut avoir de l'argent qui vous permettra de vivre jusqu'à ce que vous retrouvez un nouvel emploi. Vous arrivez à la retraite, et eh bien vous avez mis de l'argent de côté qui va vous permettre de vivre jusqu'à la fin de vos jours. D'accord? Donc ça, c'était un deuxième motif de détention d'avoir monétaire ou de demande de monnaie. Et puis après, on a le troisième élément, qui est très très important dans la théorie keynésienne, c'est le motif de spéculation, ce qu'il appelle le motif de spéculation ou le motif d'investissement. Alors ça veut dire quoi, ce motif de spéculation? Ça veut dire que les gens, ils vont garder des avoirs monétaires en vue de faire des placements dans l'avenir, c'est-à-dire faire en sorte à ce que garder de la monnaie en attendant, par exemple, de trouver de meilleures perspectives en matière d'investissement. Et là, Keynes, on en parlera après, il a lié ce motif de spéculation au niveau du taux d'intérêt. Donc, à l'époque, on parlait des placements, mais des placements obligataires, par exemple, donc placements dans des produits de taux. Et donc, il a dit à cette époque-là que cette demande de monnaie pour motif de spéculation, elle va être très très élevée. Les gens, ils vont attendre, ils vont garder des avoirs monétaires plus longtemps si les taux d'intérêt sont faibles, parce qu'ils préfèrent rester liquides plutôt que de placer leur argent sur des produits qui rapportent rien. Alors que cette demande de monnaie pour motif de spéculation, elle va tendre vers zéro lorsque les taux d'intérêt sont élevés, parce que les gens, au lieu d'avoir de l'argent liquide, ils vont essayer de le placer dans des actifs financiers, en l'occurrence des produits de taux. Alors ça, c'est quelque chose que je vais voir avec vous plus tard.
Ce premier motif de la préférence du public vers la liquidité. Donc, dès que les gens ils gardent de l'argent liquide, donc en fait, cela, d'après Keynes, il aura un effet d'éviction réel. Un effet d'éviction réel, ça veut dire que le fait que les gens ne dépensent pas leur argent, eh bien, cela va avoir un effet sur le niveau de la consommation et donc sur, bien entendu, l'économie réelle. D'accord? Donc, si les gens gardent de l'argent sans le dépenser ou sans aller le déposer à la banque ou sans le dépenser eux-mêmes, que ce soit en consommation ou bien en investissement, eh bien cela aura un effet d'éviction, c'est-à-dire on va évincer la consommation et on va évincer éventuellement l'investissement et donc cela va avoir un effet sur le niveau de la demande. Donc si la consommation, on consomme moins parce qu'on dépense moins, parce qu'on n'utilise pas nos avoirs monétaires, si on investit moins, eh bien, on va toucher aux deux composantes de la demande globale et donc on va toucher directement ou la monnaie ou le fait de garder des avoirs monétaires, je dirais infructueux, ben cela aura un effet sur le niveau de la production. Donc ça, c'est le premier effet, ce qu'on appelle l'effet d'éviction réel. Puisque donc le fait d'avoir une demande de monnaie forte, eh bien, cela va impacter le volume des transactions, d'accord? C'est-à-dire Q dans l'équation de Fisher. Alors, le deuxième effet, le deuxième apport de Keynes pour remettre en question la théorie de la neutralité monétaire, c'est la fixation du taux d'intérêt. Alors, ça, c'est très, très important. Pendant très longtemps, la théorie classique et néoclassique a considéré que le taux d'intérêt, c'est-à-dire le coût de l'argent, tout simplement, se fixe sur le marché des capitaux, c'est-à-dire le marché de l'épargne, où il y a à la fois des demandeurs d'épargne, donc ceux qui veulent éventuellement investir ou carrément consommer, ou plutôt investir pour être plus précis, et ceux qui offrent cette épargne, notamment les ménages et tous les agents économiques qui ont ce qu'on appelle une capacité de financement. D'accord? Et donc le taux d'intérêt, donc c'est quelque chose qui était déterminé sur le marché des capitaux, sur le marché des capitaux ou sur le marché de l'épargne. Keynes, il a apporté, ou il a apporter une idée nouvelle sur la manière dont les taux d'intérêt se déterminent, mais il a dit que le taux d'intérêt est déterminé sur le marché de la monnaie, qui est un marché de la liquidité, c'est-à-dire un marché à court terme. Et sur ce marché, de la liquidité, le taux d'intérêt, justement, il est déterminé par l'offre et la demande de monnaie. D'accord? Donc, l'offre et la demande de monnaie. La demande de monnaie qui peut émaner des agents économiques, notamment des ménages, des entreprises. Et l'offre de monnaie, bien sûr, elle émane du système bancaire, mais la banque centrale, elle peut jouer aussi un rôle très important. C'est-à-dire que si la banque centrale, souhaite augmenter son offre de monnaie centrale parce qu'elle veut encourager, elle veut inciter à plus de consommation, plus d'investissement. C'est-à-dire on est dans une politique expansive, une politique monétaire expansive, mettre plus d'argent à la disposition du système bancaire de manière à ce que le système bancaire finance l'économie et l'économie va en bénéficier pour consommer, pour produire et donc c'est toute la machine économique qui va repartir. Mais la banque centrale aussi, elle peut jouer un rôle très très important sur cette offre de monnaie, c'est-à-dire elle peut, en durcissant la politique monétaire, il peut réduire l'offre de monnaie. Alors en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que on sera dans une situation où l'offre de monnaie, justement, elle peut être déterminée de façon exogène, c'est-à-dire la banque centrale, en baissant la quantité de monnaie offerte, eh bien, les taux d'intérêt ils vont augmenter. Et si la banque centrale, elle augmente cette offre de monnaie, eh bien, cela se traduira par une baisse des taux d'intérêt. Et donc, dans ce cas-là, la baisse des taux d'intérêt, d'après cette théorie,
Même si ces taux d'intérêt sont déterminés sur le marché de la monnaie, eh bien, ça va influencer le niveau de l'activité économique parce qu'un taux d'intérêt plus faible, cela va entraîner un accroissement de l'investissement, d'accord, donc qui est donc un élément de l'économie réelle. Hein, donc l'investissement, d'un point de vue économique, c'est acheter des biens de production, c'est-à-dire acheter des machines, acheter des installations, acheter des immeubles, etc. Et donc l'augmentation de l'investissement, comme conséquence de cette baisse de taux d'intérêt, donc la baisse du coût de l'argent, il va entraîner un accroissement de la production. Et dans ce cas-là, la monnaie, elle n'est plus neutre. C'est-à-dire la monnaie, justement, à cause de cette nouvelle théorie des taux d'intérêt, donc étant donné le taux d'intérêt, il est déterminé sur le marché de la monnaie, eh bien, et puisque donc le marché de la monnaie, bien entendu, peut être influencé, notamment du côté de l'offre, par la Banque centrale en fonction de ça, de ses priorités en matière de politique monétaire, eh bien, cela va entraîner, bien sûr, donc la baisse des taux d'intérêt. La baisse des taux d'intérêt va entraîner une augmentation de l'investissement et l'augmentation de l'investissement va influencer le niveau de la production, donc la croissance économique et donc de l'emploi. La monnaie n'est plus neutre. D'accord? Alors, après, on a les conditions sous lesquelles cette théorie keynésienne, notamment celle relative au taux d'intérêt, elle peut jouer. En fait, il y a deux conditions, il y a deux hypothèses. D'abord, pour que la baisse des taux d'intérêt, influence le niveau de l'investissement et donc de la production, il faut déjà que l'économie soit en sous-emploi des facteurs de production. Alors ça, c'est quelque chose qui est fondamental. C'est-à-dire que la théorie keynésienne en matière de taux d'intérêt ne peut jouer ou ne peut être efficace que si l'économie, elle est, si vous voulez, en récession ou elle est en crise. C'est-à-dire que l'économie n'utilise pas toutes ses capacités de production. C'est-à-dire l'économie, donc une économie où le taux de chômage est élevé, par exemple, une économie où les équipements donc des entreprises ne tournent pas à plein régime, donc ils ne sont pas utilisés à 100%. Et donc à cette hypothèse-là, bien entendu, donc tout accroissement justement de toute baisse des taux d'intérêt entraînera une augmentation de l'investissement et donc finalement il peut relancer l'activité. La deuxième hypothèse, c'est que il faut pas que l'économie se trouve dans ce qu'on appelle dans une trappe à la liquidité. La trappe à la liquidité, je partagerai un petit schéma avec vous sur la plateforme, eh bien, c'est tout simplement une situation où les taux d'intérêt sont tellement bas que la demande de monnaie, elle devient illimitée. C'est-à-dire que si les taux d'intérêt sont très faibles, cela veut dire que l'argent ne circulera plus. C'est-à-dire les gens qui ont de l'argent, par exemple, qui ont des capacités, où ils ont des avoirs monétaires, si les taux d'intérêt sont très faibles, eh bien, ils préféreront garder de l'argent chez eux. Donc, ils vont tout simplement thésauriser, d'après la théorie keynésienne. Et cette thésaurisation, justement, elle va retirer les avoirs monétaires du circuit économique. Et donc, dans ce cas-là, la théorie du taux d'intérêt, elle ne va pas, bien entendu, jouer un rôle ou expliquer ou avoir un pouvoir explicatif où elle peut justement expliquer comment est-ce que l'économie elle va retrouver le chemin de la croissance et donc de la prospérité. Donc finalement, les taux d'intérêt, des fois, il arrive un moment où ils peuvent plus baisser. Donc déjà, ils sont très bas. Et s'ils sont bas, eh bien cela veut dire tout simplement que la demande de monnaie, elle va devenir illimitée. Et donc, dans ce cas-là, la baisse des taux d'intérêt n'aura pas d'impact ou l'impact souhaité en matière de croissance ou la baisse, bien sûr, ou le niveau de taux d'intérêt n'influencera pas le niveau de la production. Alors, ça, c'est la première approche.
toujours qui remet en question la neutralité monétaire. Alors, il y a une deuxième approche qui est aussi keynésienne, qui a été représentée par un économiste qui s'appelle Phillips. D'accord? Donc, c'est un économiste néo-zélandais. Et c'est un économiste qui a en fait publié si vous voulez, une théorie. Il a développé, pardon, une théorie à partir de la fin des années 50, basée sur des données statistiques des États-Unis sur une période de un siècle et qui a essayé de montrer les liens qui existent entre le taux d'inflation, d'accord, la hausse du niveau général des prix et le niveau du chômage. Alors Philips, et donc là je vais essayer donc de partager avec vous. Voilà. Voilà. Alors, j'espère que vous êtes en train de visionner la même chose que moi. Alors, en fait, Philips, c'est une représentation graphique très très classique et qui n'est pas très compliquée. En fait, il cherche à étudier, dans le cas des États-Unis, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur la base de séries statistiques sur une période très très longue, donc sur un siècle, si je ne me trompe pas, entre le taux d'inflation aux États-Unis et le taux de chômage. Et donc, il part du principe qu'il y a un taux de chômage naturel. Donc, le taux de chômage naturel, c'est tout simplement un taux de chômage qui va subsister, quelle que soit la situation économique du pays. C'est-à-dire que pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ne souhaitent pas travailler, qui font partie de la population active, mais qui ne sont pas à la recherche d'un emploi pour une raison X ou Y. Soit parce que, si vous voulez, il y a pour certaines personnes un chômage dit frictionnel. Donc, le chômage frictionnel, c'est le chômage qui va toucher, par exemple, des jeunes lauréats, des universités ou des écoles, des gens qui, une fois qu'ils ont leur diplôme, ils ont besoin d'un petit moment justement pour retrouver leur premier emploi. Ça peut toucher aussi des personnes qui se trouvent entre deux emplois. Ils ont quitté le premier emploi, ils ont signé un nouveau contrat. Et pendant la période qui sépare les deux contrats de travail, ils peuvent être au chômage. Donc, on peut penser aussi aux personnes, les femmes qui sont en congé de maternité, etc., etc. Donc, en fait, l'économie, même si justement elle réalise les taux de croissance les plus élevés, il y aura toujours un chômage naturel qui ne changera pas en fonction justement du niveau d'activité. Et Philips, il nous dit la chose suivante, il nous dit que le taux d'inflation, quand vous êtes dans une économie qui connaît les taux d'inflation les plus élevés, par exemple si vous êtes là, par exemple la partie la plus haute de la courbe de Philips, donc quand vous avez le taux de chômage le plus élevé, eh bien le taux d'inflation, pardon, le plus élevé, eh bien, le taux de chômage, il va être le moins élevé. C'est-à-dire, on va tendre vers zéro, en quelque sorte. D'accord? Si maintenant, le taux d'inflation est au plus bas, d'accord? Eh bien, le taux de chômage est au plus haut. Donc, ça, c'est ce que traduit la courbe de Phillips. Donc, c'est en fait cette relation inverse, si vous voulez, qui existe entre le taux de chômage et le taux d'inflation. En partant bien sûr des niveaux de chômage dits naturels. Alors en fait, maintenant, comment on peut expliquer justement que la théorie de Phillips, elle a essayé aussi de nous montrer que les phénomènes monétaires, ils peuvent avoir une conséquence sur le niveau du chômage qui fait partie de l'économie réelle. Parce que c'est ça, en fait. Donc, le lien entre un taux d'inflation et un taux de chômage,
c'est en fait, c'est un lien, on essaie d'établir un lien entre un phénomène monétaire, c'est le taux d'inflation. Le taux d'inflation ou l'inflation est un phénomène monétaire par nature, hein. Donc, c'est-à-dire que quand il y a un taux d'inflation élevé, ça veut dire que le pouvoir d'achat de l'abonné, il est faible. Donc, parce que plus justement les prix sont élevés et moins l'argent il a de la valeur, moins les unités monétaires que vous avez valeur. Donc, je ne sais pas, 100 dirhams d'aujourd'hui ne va pas vous permettre d'acheter la même chose dans un an, donc à cause de l'inflation. Donc, si on a un taux d'inflation, par exemple, de 1% ou de 1,5%, ça veut dire que vos 100 dirhams, ils vont perdre 1,5% de leur pouvoir d'achat. D'accord? Et donc, finalement, donc Phillips, à travers sa théorie, il montre tout simplement que si il y a plus d'inflation, ça veut dire que l'économie est prospère. C'est-à-dire que tout marche dans l'économie. Et donc, l'inflation signifie aussi une baisse du chômage. D'accord? Tout simplement. Alors que la baisse de l'inflation, elle signifie plus de chômage. Autrement dit, si on est dans une situation de prospérité économique, ben les prix, ils doivent être élevés ou les prix doivent augmenter parce que on consomme beaucoup, on investit beaucoup, l'argent il circule plus rapidement, etc. Et donc dans ce cas-là, si l'économie est prospère, ben le taux de chômage il va être faible. Okay? Par contre, si justement l'inflation baisse, cela veut dire que ça ne marche pas, c'est-à-dire que vous êtes dans une situation de récession économique, voire même une situation de dépression. Et cela va se traduire par une hausse du niveau du chômage, donc par une hausse du taux de chômage. Voilà un petit peu ce que dit cette théorie. Alors, c'est une théorie en fait qui a été un peu développée par la suite par Paul Samuelson, donc si je ne me trompe pas, dans les années 60. Donc, Paul Samuelson, qui est un grand économiste américain, donc c'est un économiste, c'est un néo-keynésien, eh bien, Paul Samuelson, il a juste essayer d'expliquer pourquoi d'abord il y a une augmentation du taux d'inflation, d'accord? C'est-à-dire que Paul Samuelson, il a essayé de montrer à travers un graphe que je partagerai avec vous sur la plateforme, qui montre que le taux d'inflation, il s'explique par une hausse de salaire, c'est normal, c'est-à-dire que si vous êtes dans une situation où la hausse du taux d'inflation va se traduire par une hausse du salaire nominal. Le salaire nominal, c'est ce que vous touchez donc à la fin de chaque mois. Donc, c'est là tout simplement le nombre d'unités monétaires que vous touchez donc à la fin de chaque mois. D'accord? Donc, je ne sais pas, je touche un salaire de 10 000 dirhams. Et bien, les 10 000 dirhams que je reçois chaque mois sur mon compte bancaire, et bien, c'est ce qu'on appelle le salaire nominal. Et donc, d'après Samuelson, et bien, la hausse des salaires nominaux est une conséquence de la hausse du taux d'inflation. C'est-à-dire que quand les prix augmentent, eh bien, on a tendance à demander tout simplement une augmentation des salaires, justement pour compenser la perte du pouvoir d'achat. Et donc, Samuelson, il a essayé de montrer que c'est justement à cause de la hausse des salaires nominaux, d'accord, qui sont un peu la conséquence, si vous voulez, de la hausse des prix. Hein? Donc, il faut bien me suivre. Donc, vous avez une augmentation des prix. L'augmentation des prix va entraîner une augmentation de salaire. Salaire nominaux, pas des salaires réels. Salaire nominaux. Donc, des salaires que vous touchez. Salaire courant, si vous voulez. Et c'est justement, d'après lui, c'est cette hausse du salaire nominal qui va pousser les gens qui en sont au chômage, de chercher un emploi parce que l'emploi, il devient mieux rémunéré. D'accord? Donc, la hausse du salaire nominal va inciter les gens, c'est normal, la hausse du prix du travail, si vous voulez, va inciter les gens donc même ceux qui étaient au chômage, même ceux qui étaient peut-être qui ont préféré, qui ont fait le choix de ne pas travailler, donc ils étaient dans cette catégorie qu'on qualifie de chômeurs naturels, eh bien, ils seront incités d'aller sur le marché de l'emploi pour trouver un emploi parce que le travail, il devient mieux rémunéré. D'accord?
Voilà. Alors maintenant, je reviens un peu à. Donc, je reviens à mon cours. Alors, donc ça, c'est les deux apports donc les plus importants de cette théorie qui remet en question la neutralité monétaire, à savoir la théorie keynésienne qui remet cette neutralité monétaire à travers deux apports importants, à savoir la préférence du public pour la liquidité avec ses effets d'éviction ou son effet d'éviction sur l'économie réelle et, bien entendu, donc la nouvelle théorie sur les taux d'intérêt. Et puis après, on a la courbe de Phillips qui a été, bien sûr, améliorée, si vous voulez, par Paul Samuelson, qui montre tout simplement qu'on peut, justement, faire un lien entre le niveau général des prix, ça c'est pour la théorie de Phillips, et les taux de chômage. Et Samuelson, il a dit, le niveau général des prix, en fait, il augmente tout simplement parce que les salaires sont plus élevés et c'est ça en fait ce qui va inciter les gens à travailler. Et donc dans ce cas-là, la hausse des prix, qui est un phénomène monétaire, qui va influencer la valeur nominale, ou ce qu'on appelle le salaire nominal, va inciter ou va avoir une influence sur l'économie réelle, c'est-à-dire sur le niveau général du chômage dans le pays. Alors après, on a la théorie de Phillips, elle a été remise en question vers le début des années 70 par un économiste américain, si je ne me trompe pas, qui s'appelle Edmond Phelps. Et Edmond Phelps, dans les années 70, il a dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la théorie de Samuelson, la théorie de Phillips. Alors Phelps, il nous dit, faisant aussi des recherches sur la relation entre le taux d'inflation et le chômage, il a montré que dans les années 70, on a assisté à un phénomène qui n'est pas ordinaire, si vous voulez, et qui a remis en question un peu toute la théorie de Phillips. Alors Phelps, il a dit que dans les années 70, ce qu'on a constaté, c'est que il n'y a plus de relation inverse entre le taux de chômage et le taux d'inflation. Ce que disait Phillips. Phillips, il a dit, quand le chômage est au plus bas, le taux d'inflation est au plus haut, et quand le chômage est au plus haut, le taux d'inflation est au plus bas. Donc, il y a une relation inverse dans la théorie de Phillips. Phelps, il a dit, les deux phénomènes ils peuvent aller ensemble. C'est-à-dire, on peut des fois vivre des situations où le taux de chômage s'accompagne d'une hausse du taux d'inflation. D'accord? Et ça, c'est ce qu'on appelle une période de stagflation. La période de stagflation, d'accord, c'est une période qu'on a vécue dans les années 70, tout simplement parce que les facteurs qui agissent sur le taux de chômage et sur le taux d'inflation ne sont pas les mêmes. D'accord? C'est-à-dire que dans les années 70, l'inflation est s'expliquer par des phénomènes, dans beaucoup de pays, par des phénomènes externes, c'est-à-dire c'était une inflation importée. La période en question était marquée par la hausse des prix des matières premières, donc la hausse du prix de l'énergie, donc la hausse du prix du pétrole à l'époque. Et donc finalement, tous les pays du monde étaient dépendants de ces importations. Et donc finalement, la hausse des prix de ces produits stratégiques, de ces produits essentiels, s'est traduite par une hausse des prix intérieurs. Donc, tous les pays du monde connaissaient des taux d'inflation à deux chiffres, hein, donc sans exception, les taux d'inflation un peu partout dans le monde tournaient autour de 10% en moyenne, donc à travers le monde. D'autre côté, le chômage auquel on a assisté dans les années 70 n'était plus un chômage keynésien, n'était plus un chômage conjoncturel, n'était plus un chômage qui est lié à un niveau d'activité faible, comme ce que disait Keynes. Le chômage des années 70 est devenu un chômage structurel. Alors, ça veut dire quoi, le chômage structurel? Le chômage structurel, c'est un chômage
qui s'explique par des facteurs liés aux structures de fonctionnement d'une économie ou aux structures de fonctionnement d'un marché du travail. Il y a des gens, par exemple dans les années 70, qui ont perdu leur emploi à cause des mutations technologiques. C'est-à-dire que à cette époque-là, eh bien, les systèmes productifs mondiaux, ils ont commencé à connaître des mutations importantes sur le plan technologique. Donc, on a introduit de nouvelles technologies, notamment les chaînes de production assistées par ordinateur, donc la microélectronique qui commençait à se développer. Et donc, la conséquence a fait que certaines personnes qui n'avaient pas toujours les qualifications nécessaires ne pouvaient plus trouver ou ne pouvaient plus garder leur emploi à cause de ces changements importants. D'accord? Donc, en fait, le chômage structurel, donc c'est un chômage qui est dû tout simplement à comment dirais-je donc à une inadéquation entre l'offre de travail et la demande de travail, d'accord? C'est-à-dire que ceux qui offraient le travail, notamment les travailleurs, n'avaient pas toujours les capacités et les compétences et les niveaux qui étaient exigés par les employeurs et les demandeurs. Donc, bien sûr, ils demandaient, ils sont devenus plus exigeants. Donc, ils voulaient une main-d'œuvre beaucoup plus qualifiée, une main-d'œuvre donc mieux formée, une main-d'œuvre qui a une capacité de se former, donc pour se reconvertir dans un métier, etc., etc. Donc, en fait, on n'est plus dans le même type de chômage. Le chômage dont parlait Keynes et dont parlait Phillips, justement, et tous les néo-keynésiens depuis pratiquement la fin des années 40 jusqu'à la fin des années 70, était un chômage cyclique, était un chômage dit à une conjoncture. Et donc finalement, si la conjoncture est basse, ben le chômage il va augmenter. Si le chômage est, si la conjoncture est bonne, c'est-à-dire si on est dans une phase d'expansion, une phase, si vous voulez, de croissance économique qui dure dans le temps, et bien le taux de chômage va baisser. Et bien le chômage dont parlait Phelps, donc dans les années 70, était devenu un chômage structurel. C'est-à-dire que même si l'économie, elle pouvait repartir, même si on avait des taux de croissance économique qui étaient positifs, et bien il y a des gens qui restaient au chômage tout simplement parce que ils ne pouvaient plus trouver un emploi à cause justement de leur manque de compétences, à cause de l'inadéquation tout simplement entre leurs capacités et ce qui était recherché sur le marché de l'emploi. Et donc finalement, ça c'était la première brèche justement dans ces théories du chômage, si vous voulez, ou dans ces théories qui ont essayé d'expliquer que les phénomènes monétaires peuvent influencer justement les phénomènes réels. Et donc Phelps, il a dit que de toutes les façons, ils ne peuvent jamais, des fois, ils peuvent aller ensemble. Donc on peut avoir l'inflation qui peut s'expliquer par des phénomènes exogènes, par des phénomènes externes, et on peut avoir le chômage, notamment un chômage structurel. Alors, après, on a les théories libérales, ou les théories, je dirais, monétaristes, qui sont développées, au fait, depuis pratiquement les années 50. Mais ils ont commencé à avoir une influence donc en matière de pensée économique, une grande influence en tout cas depuis la fin des années 70 et surtout depuis le début des années 80. Alors, qu'est-ce qu'ils disent ces théories monétaristes représentées par des économistes américains, donc dont le plus influent c'est Milton Friedman. Donc Milton Friedman qui est un grand économiste américain, donc qui représente un peu le courant de ce qu'on appelle l'école de Chicago, donc aux États-Unis. Et cet économiste, justement, donc il était un peu le porte-drapeau d'une révision complètement totale donc de la théorie ou de la réflexion économique où les phénomènes monétaires sont devenus les phénomènes les plus importants dans la réflexion. Et donc l'élément qui me semblait aussi important, qui me semble important, pardon, c'est qu'ils ont eu beaucoup d'influence sur les décideurs politiques à partir des années 80. Alors, quelle est la première réflexion? La première, c'est que pour cette théorie, la monnaie résulte d'un excès d'offres de monnaie qui est plus rapide que la hausse de la production.
D'accord? Donc, en fait, déjà, ils nous disent que l'inflation est un phénomène monétaire. D'accord? Là, on ne parle pas seulement de la nature du phénomène inflationniste. La nature du phénomène inflationniste, il est monétaire, sa nature. C'est-à-dire que si il y a inflation, il y a baisse du pouvoir d'achat de la monnaie. C'est ça la nature de l'inflation. D'accord? Alors maintenant, les monétaristes, ils nous disent que l'offre de monnaie, donc en fait, c'est parmi les facteurs de l'inflation, parmi les causes de l'inflation, si vous voulez, parmi les sources de l'inflation, il y a la monnaie. Autrement dit, si dans un système monétaire, on augmente la masse monétaire, donc le M dans l'équation de Fisher, d'accord, et si cet accroissement elle est plus rapide que l'accroissement de l'économie réelle, c'est-à-dire Q dans l'équation de Fisher, eh bien cela va entraîner l'inflation. C'est-à-dire que si vous mettez plus de moyens à la disposition des gens et que l'économie réelle ne croît pas aussi rapidement, eh bien la seule chose qui va augmenter, c'est justement le niveau général des prix. Ça, c'est la première idée. Le deuxième élément, et ça, c'est une réflexion sur le rôle des prix comme moyen de coordination dans un système économique. Donc, en fait, on sait très bien que on a eu, en tout cas, jusqu'à la fin des années 80, deux régimes économiques à travers le monde, donc un régime économique de marché, un régime économique décentralisé et un régime économique centralisé, donc à l'image de ce qui existait dans les anciennes économies dites planifiées, notamment l'URSS, les pays de l'Europe de l'Est, etc. Je ne vais pas rentrer dans ces détails. Alors, quand vous êtes dans un régime économique décentralisé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les décisions économiques, notamment les principales activités économiques, à savoir la consommation, la production, l'investissement, l'épargne, tout ça, ce sont des actes économiques ou des activités économiques qui sont le fait d'agents économiques, donc des individus. Si vous voulez, ces individus, c'est des ménages, ça peut être des entreprises, etc., etc. Et donc finalement, les décisions économiques se prennent de manière individuelle. Alors quand vous êtes dans un tel système, quand vous avez un régime économique décentralisé, ben, il faut qu'il y ait un moyen qui permet de coordonner les activités des uns et des autres. Sinon, ben, on va avoir des crises partout, chaque jour. Il y a un qui veut consommer, mais il n'y a pas assez de production de l'autre côté. Donc finalement, il y a des déséquilibres. Il y a celui qui veut investir, mais il n'y a pas assez d'épargne, donc ça va créer un déséquilibre. Donc finalement, si vous êtes dans une économie décentralisée, la coordination, le rapprochement, si vous voulez, des actes des uns et des autres, donc au niveau du système économique, elle se fait par le biais du prix. Le prix. Le prix, quand on parle de prix, eh bien, c'est des marchés, si vous voulez, et ce prix, ça peut être le prix d'un bien, d'un service, ça peut être le prix de l'argent, ce qu'on appelle les taux d'intérêt. Ça peut être le prix du travail, qu'on appelle le salaire. Et donc, finalement, dans un système économique décentralisé, eh bien, on a des marchés, d'accord? Un marché du travail où se fixe un prix qui s'appelle le prix du travail, un marché des capitaux ou un marché de la monnaie où se fixe le prix de la monnaie, donc notamment un taux d'intérêt, le prix de l'épargne, si vous préférez. Et vous avez un marché des biens et services, donc le marché dans lequel tout le monde intervient, où vous avez des prix des biens et des services. Et c'est des marchés, en fait, qui sont coordonnés, hein, donc ils vivent pas en vase clos, mais ce sont des marchés qui sont liés de telle sorte que ce qui se passe sur un marché de biens et de services peut impacter le marché du travail, et ce qui se passe sur le marché du travail peut impacter le marché des capitaux, et ainsi de suite. Alors, donc, si vous dites qu'on est dans une économie décentralisée où le système de prix, c'est le moyen qui permet de rapprocher les uns les autres pour éviter les crises de surproduction, de sous-production, de surconsommation, sous-consommation, je ne sais pas quoi. Dans ce cas-là, le prix, il faut qu'il soit fixé au bon niveau.
D'accord. Alors maintenant, vous allez me dire, mais c'est quoi ce bon niveau? En fait, le prix doit être déterminé en fonction de la rareté qui peut apparaître sur les différents marchés. Donc, c'est la rareté qui permet de fixer le prix à un niveau plus élevé ou moins élevé, que ce soit pour le travail, pour le capital ou bien pour les biens et les services. Donc, pour la théorie ultralibérale représentée par les monétaristes, notamment par Milton Friedman, eh bien, on a le prix, il faut qu'il soit situé au bon niveau pour qu'il joue son rôle de coordinateur des activités et des opérations économiques des uns et des autres. Et donc, l'inflation pour la théorie monétariste, c'est qu'elle perturbe le système des prix. C'est-à-dire que les prix augmentent non pas parce qu'ils doivent refléter la rareté, mais les prix augmentent tout simplement parce qu'on a mis trop de monnaie dans l'économie, donc parce qu'il y a eu des phénomènes un peu à la base, donc d'après cette théorie, des phénomènes monétaires qui peuvent des fois perturber le système des prix. Donc l'inflation est un phénomène qui perturbe le système des prix. Et donc dans ce cas-là, elle peut l'inflation, c'est un, d'après cette théorie, c'est l'un des phénomènes économiques les plus dangereux dans un système économique décentralisé. C'est-à-dire, elle perturbe le système de prix et donc elle peut perturber carrément le fonctionnement de tout le régime économique. C'est la raison pour laquelle l'inflation, justement, il faut qu'elle soit l'ennemi à abattre, en quelque sorte, c'est-à-dire le phénomène, le déséquilibre contre lequel il faudrait lutter, bien sûr. Et donc, dans ce cas-là, on va dire que c'est le fondement de l'économie de marché, et donc c'est la raison pour laquelle l'inflation est dangereuse. Les deux économistes, à savoir les Keynésiens, ou Keynes plutôt, et Milton Friedman, ils sont d'accord sur le fait que la monnaie doit suivre l'activité économique. Voilà. Donc, ils disent pas plus que ça. Ils disent que on est d'accord sur un fait, c'est que la quantité de monnaie qui circule dans l'économie doit accompagner l'activité. Si vous avez une activité économique avec des niveaux élevés, eh bien, il faut qu'il y ait plus de monnaie. Si vous avez moins, eh bien, il faut qu'il y ait moins de monnaie. Mais la différence, c'est la quantité optimale. La quantité optimale de monnaie qui pose un problème. Alors, les Keynésiens, ils disent que sous certaines conditions, comme on a déjà expliqué, que la monnaie, justement, elle peut être un facteur de prospérité, un facteur qui encourage une économie à atteindre des niveaux d'activité plus élevés, surtout en période de déflation, ce qu'on appelle la période de déflation, d'accord? Et donc, ça peut être un bon élément pour la reprise économique. Pour les monétaristes, ils disent non. La monnaie, en tout cas, la quantité, elle ne peut pas être supérieure. Où elle ne peut pas croître, pour être plus précis, à un taux supérieur au taux de la croissance économique. Et donc, pour les monétaristes, la hausse de l'offre de monnaie ou l'impact de la hausse l'impact de la hausse de la quantité de monnaie sur la production, elle crée ce qu'on appelle une illusion monétaire. Alors, ça veut dire quoi? Ça, c'est un élément qui est très, très important chez les monétaristes, mais également chez d'autres économistes qu'on peut appeler des nouveaux classiques, comme Robert Lucas, par exemple, qui disait presque la même chose. Il dit tout simplement que lorsque il y a hausse de la masse monétaire, c'est-à-dire que vous êtes dans un système où on a baissé, par exemple, les taux d'intérêt, de façon à permettre aux gens de consommer à crédit, donc les entreprises d'investir à crédit, il a dit, on a juste une illusion monétaire, c'est-à-dire que la hausse de la production qui résulte justement de cette hausse de la masse monétaire, elle va tout simplement faire croire aux gens que il y a quelque chose qui a changé dans l'économie. C'est-à-dire que, je ne sais pas, un chômeur par exemple, eh bien, il va croire que l'économie elle est repartie. Tout simplement parce qu'il y a hausse des prix, donc en fait hausse de salaire nominaux, et donc les gens ils vont sortir du chômage justement parce que on les paye mieux en valeur nominale. D'accord? Et le problème qu'on a avec
avec ce comportement des chômeurs, d'après la théorie de Milton Friedman, cette théorie de l'illusion monétaire, c'est que très vite, les gens, ils vont être un peu déçus. Ils vont dire, mais en fait, ce qui a augmenté, ce n'est pas les salaires réels. Le salaire réel, c'est vraiment ce que vous avez gagné en termes de pouvoir d'achat. Donc, le salaire réel, c'est un salaire nominal dont on enlève l'impact de la hausse des prix. C'est un salaire nominal déflaté. Mais dès qu'ils se rendent compte que la hausse, elle a été juste hausse nominale, eh bien, ils vont revenir à la case de départ, c'est-à-dire ils vont dire, les salaires qui ont augmenté, en fait, c'est juste une illusion parce que notre niveau de vie ne va pas s'améliorer et donc on préfère carrément revenir au chômage plutôt que d'accepter de travailler pour des salaires qui en fait, ils n'ont pas augmenté réellement, mais ils ont augmenté tout simplement en valeur nominale. Donc finalement, la théorie comment dirais-je, de Milton Friedman est là tout simplement essayer de revisiter en quelque sorte la théorie la théorie de Phillips, si vous voulez. Donc ça, vous l'avez sur la plateforme. Je la partagerai aussi avec vous à la fin de ce cours. Eh bien, Milton Friedman, il a repris pratiquement le même schéma que celui de la théorie, de Phillips, mais il a dit, plutôt que d'avoir une courbe, justement, comme on l'a montré tout à l'heure, qui est décroissante, qui montre un peu cette relation inverse entre l'inflation et le taux de chômage, eh bien, Milton Friedman, il nous a dit qu'il y a en fait dans la courbe de Phillips, il y a ou dans la courbe de Phillips revisitée par Milton Friedman, il y a une hausse, si vous voulez, ou une baisse du chômage lorsque les prix augmentent, d'accord? Et donc finalement lorsque les salaires nominaux augmentent, mais une fois que les agents économiques se rendent compte qu'ils étaient victimes d'une illusion monétaire, eh bien ils vont revenir à la case de départ, et donc on va retrouver au même niveau du chômage naturel. D'accord? Et en fait, on va évoluer en vague, c'est-à-dire il y a une hausse, mais dès que on se rend compte qu'il y a seulement une illusion monétaire, on revient au niveau du chômage naturel. Dès qu'il y a encore une autre illusion monétaire, dès qu'il y a encore une autre de salaire nominaux, eh bien, on va se rendre compte qu'on est encore victime d'illusion monétaire et on revient à la case de départ. D'accord? Donc en fait, la théorie de Milton Friedman, elle a revisité la théorie de Phillips, et puis en fait, la courbe de Phillips, elle est tout simplement, comment dirais-je, elle est coupée, si vous voulez, en plusieurs morceaux, plus ou moins, où vous avez des hausses, d'accord, c'est-à-dire une baisse du chômage, et puis après, retour à la case de départ, au niveau de chômage précédent. Dès qu'il y a encore hausse de salaire, eh bien, les gens, ils sortent du chômage parce que les salaires, ils vont augmenter. Après, ils vont se rendre compte qu'il y a une illusion monétaire. Et donc, finalement, on va toujours se retrouver ou on va tout le temps retourner à notre case de départ. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là donc pour le cours d'aujourd'hui. Je vous invite bien sûr à, donc pour ceux qui, je sais qu'il y a eu un petit problème technique et donc finalement ce cours je l'ai donné directement, mais finalement il n'y avait aucun élève qui était connecté parce que je pense que l'administration elle ne vous a pas fait l'annonce à temps. Essayez de visionner cette petite vidéo et vous avez sur la plateforme ENT, surtout dans la partie relative à la théorie monétaire, vous avez quelques petits comment dirais-je matériels que je mets à votre disposition, notamment la courbe de Milton Friedman, donc la courbe de Phillips revisitée par Milton Friedman, et vous avez aussi quelques travaux de réflexion sur la théorie monétaire que je vous invite à faire bien entendu, et vous avez bien entendu les réponses à votre disposition. Voilà, je vous remercie et puis je vous souhaite un très bon samedi.